Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec Leicester. Comme vous pouvez le voir, prochain adversaire, c'est du lourd, c'est tout simplement le Barça. Avant de continuer et de jouer ce match, petit clin d'œil au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est-à-dire tous les mercredis, donc mercredi. Ce soir, il y a tout simplement Barça-Paris Saint-Germain, donc... On va essayer de remporter notre match et on verra bien. Et du coup, là, on est à peu près bon au niveau de la forme de l'équipe. Ça va pas du tout. Mais on a 3 jours. Donc, on va avancer tranquillement. Je vais juste arrêter là. Simuler les entraînements. Sinon, je vais oublier. Je me connais par cœur. Je sais pertinemment que je vais oublier si je ne simule pas là. Hop, on simule tout en espérant avoir un petit A. Pourquoi pas? Petit A pour... Pour le petit grain, en plus, elle permet d'augmenter, tout comme d'Albert, c'est bon ça. Ça, c'est de bons entraînements, ça fait plaisir. Du coup, hop, on est bon. Et maintenant, ça va être chaud parce que j'ai l'impression que l'équipe 1, elle va être fatiguée là. Là, ça va être chaud, mais on est obligé de mettre l'équipe 1, il n'y a pas le choix. Ah oui, c'est vrai qu'on avait perdu à Marte. Ça va être Fossou. Je pense qu'ils vont nous mettre automatiquement Fossou. Ou peut-être Albrighton, je sais pas. Non, je pense que ça va être Fossou Mensah au milieu de terrain. On va regarder ça. Ça va être chaud. Hein. C'est au Camp Nou en plus. Pas quoi le casser en pointe. Ouais, Fossou Mensah, Drinkwater, Mendy. Depay, Vardy, Mahrez, Morgan, Semedo, Kipembe, Dalbert et Smichael dans les cages. On est bon. Allez, c'est parti les escrocs. Bon, pour l'instant, on a tous les deux 6 points. Ça se joue à la différence de but. On a marqué un petit but de plus que le Barça. Et là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ouais, ça passe. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Tonk. Oh non, non, Flo. Là, c'est moi qui déconne. Je me précipite pour rien. En plus, c'est Depay, quoi. Je repique dans l'axe. Il enroule pleine lucarne, normalement, là. Oh, allez, faut se taper, les gars. La défense qui se montre vigilante. Oh, oh là, l'interception! Non, d'Albert! Pourquoi c'est d'Albert? Attention! Attention avec ce corner! Bon, ils vont la jouer à deux avec Messi, voilà. Allez, tu vas où Messi? Tu vas où Neymar? Bien joué Mendy! Oh, par contre, la relance là. Ouf. Mettez le pied. Ouais, bon. La frappe. Toujours présent, Jamie Vardy, mais oui. Deuxième but en Ligue des Champions. Il est important celui-là, face au Barça en plus. Ah, je m'en doutais. Pourquoi? Ouais, mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même sur ce coup-là. Franchement, je déconne à la mort. Oh là là, Neymar, tu prends trop d'élan. Tu prends trop d'élan, Neymar. Tu vas te chier dessus, tu vas tirer au centre. Ça se joue à ça, franchement, quoi. Bon, après, il attire super bien le petit filet. Rien à dire, égalisation de Neymar sur penalty. Franchement, je donne le penalty là. Je fais vraiment une vieille erreur, quoi. Ouais, mais Drinkwater face à Jordi Alba, c'est mort, quoi. Full physique, voilà. C'est chaud. Le tacle. Je me suis raté, mais bon, c'est pas grave. Allez, joue it. Ouh, c'est pas mal. Depay, le contrôle. C'est foutage de gueule, Depay, sérieux quoi. Oh là là, mais oui, forcément. Juste avant la mi-temps, on se retrouve mené 2-1. Franchement, c'est dommage parce qu'on fait quand même une bonne première période. Et sur une grossière erreur, je relance tout simplement le Barça. Ils égalisent sur le pénalty de Neymar. Et là, bon, ils étaient un peu plus forts que nous quand même dans l'ensemble de cette première période. Va falloir quand même essayer d'être un peu plus dangereux devant. Ça peut le faire, faut revenir dans le match vite là. Ouais, Neymar. Ça joue vraiment bien. Ils font tourner. Non, Messi. Oh là là, ça va trop vite. Franchement, ça va trop vite. Tout de suite au retour du vestiaire comme ça. Oh là là, ça fait mal. 3-1. Franchement, le match de Piqué, c'est de l'abus. Piqué, c'est impressionnant, quoi. Comment il est cheaté. Y'a rien. Arrête. Allez, ça. Cette frappe de Vardy. Magnifique, mon gars.
Ça c'est de l'interception. Ça c'est de l'interception, sauf que Vardy il est cuit et que voilà, c'est compliqué. Oh bien joué. La dernière, là-haut. Allez, allez, Memphis, Memphis. J'ai déconné la putain de... Il y a tout le monde. Excellente intervention du défenseur là. Il choisit la frappe. Ah, pas loin. Défaite 3-2. On est tombé sur une grosse équipe du Barça qui a vraiment... ils ont vraiment bien joué. Après, c'est vrai qu'en fin de deuxième période, on est bien revenu. On a poussé. Je pense qu'on aurait mérité de faire d'arracher ce petit nul 3 partout, mais bon. Défaite 3-2. Va falloir gagner à la maison. Tout simplement. On verra lors du match retour. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est que des matchs de poule. Après, on est encore bien classé, je pense. Mais faut pas oublier, c'est qu'on n'avait pas notre Amarté aussi. C'est vrai ça. Notre Amarté au milieu de terrain, il est très très important. Joueur suspendu, proposition de contrat acceptée, ok. Du coup on va tranquillement avancer vers notre prochain match cette fois-ci, oui c'est un match de championnat. J'ai un peu bugué, off pour le poste sectionneur, non merci. On va très certainement faire un petit peu tourner puisque bon là on a joué juste avant un match assez important de Ligue des Champions. On va faire tourner, remplacer automatiquement le joueur. Hop, match à l'extérieur, on va jouer en rouge, on est très bien en rouge. Hop, David Villa, Gray, Malcolm, Albrighton, Fossou, James, Hutter, Hernandez, Simpson, Schlup et Zilor dans les cages, c'est parti. Attention à ce que Malcolm, j'ai vu qu'il était un peu blessé. Pamboreo, Pambo. Alfonso Areola, Alfonso. Bon, désolé Alphonse, je sais que t'es un titi, mais là... Oh, j'ai pas réussi à récupérer. Ouais, je faisais des petits bruits de moto, je sais pas pourquoi. C'est une blague ça. Bien joué. Allez, Gray. Oh, le jeu en pivot, David. On court beaucoup là, je trouve, par contre. On repart propre, allez. Là-haut. Allez, bien joué. Par contre, Albrighton, il est un peu seul. Vas-y, monte un peu, toi, là. Bah oui. Prends ton couloir, quoi. Du monde au centre, là, peut-être, non? Je sais pas, les gars. Pouf, dommage. C'est rien, Gray. Relève-toi, frérot. T'as rien du tout. Bah oui. Frappe croisée. Allez, mais non. Attends, là. Je vais mettre des joueurs de l'équipe 1, c'est pas possible. Malcolm, je sais pas, Malcolm il est mort. Il est mort dans le film. Amarté, t'es en super forme, on va te faire rentrer. De toute manière, en plus lui il a tellement d'endurance que Malcolm il peut enchaîner les matchs. Et j'ai envie de faire rentrer, tiens, Moussa. Moussa, ouais, à la place de Gray. On va mettre Moussa à gauche, Villa et Mahrez à droite. C'est parti. Ça va peut-être nous aider parce que là il faut quand même les 3 points les escrocs là. On n'est pas au top au niveau du classement et si on laisse partir... Il me semble que c'est Chelsea devant. Si on laisse partir Chelsea, on est mal. Non, allez, c'est moi qui lui donne. J'enlève, ça va. Allez, contre-attaque. Ça va être dur. Il part vite. Oh là là, la fusée. Je cherche un partenaire en profondeur. Ahmed Moussa. Et le but. Merci Moussa. L'appel a été fait au bon moment. Et puis après, bon, c'est vrai que la vitesse de Moussa quand il rentre dans un match comme ça, quand t'as les défenseurs qui sont super fatigués et que lui il est tout frais, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Et du coup, le petit Moussa qui marque dans un angle fermé 1-0, ça fait du bien. Wouah. Moussa l'enroulé pleine lucarne. Oh oui, but. Quelle frappe. Bon, je crois que c'est le match de Moussa. En tout cas, j'ai l'impression. Je me suis dit, on va tenter, il a l'air chaud. Ça rentre et c'est magnifique en plus. S'il a reprendre finalement, perdu stupidement. Allez, oh. C'est quoi ça?
On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Oh Riyad, c'est magnifique. Oh Riyad, c'est magnifique. Victoire 3 buts à 1 face à cette équipe d'Everton. C'était pas un match facile, il nous fallait absolument les 3 points parce que Arsenal qui perd, Chelsea qui perd. Bon, Manchester a gagné, mais j'ai l'impression qu'on fait une très très bonne opération, qu'on va peut-être pouvoir remonter au classement. On va regarder ça. Bon, on regardera ça après, mais j'ai l'impression qu'on a fait une très très bonne opération. Donc on est parti pour le prochain match. Attendez, on va regarder quand même le calendrier pour essayer de gérer au mieux. L'autre manière, je peux mettre l'équipe 1 2 fois de suite, je pense. On va mettre l'équipe 1 parce que j'ai quand même envie d'aller le plus impossible aussi en couple. En coupe, pardon. Du coup, bon, on est parti. Hop, on va juste switcher d'équipe. On va mettre notre équipe 1. On va remettre les maillots rouges. Pour l'instant, c'est très très bien passé avec les maillots rouges. Ouais, Vardy, Depay, Mahrez. Ouais, on est bon. Let's go. Lâche ça. Eh ouais, garçon. Ben ouais, on n'est pas là pour blaguer. Oh là là, Mahrez. Oh là là, Mahrez. Hop. Schéma classique pour cette équipe. Ah d'accord. Non, non, non. Ok. Il n'y a pas faute. On va pas pleurer. Tranquille. C'est pas grave. Ah, c'est compliqué, mais Vardy, il est là. Allez, Vardy. Allez, hein, tu rates pas ça. Hein. Bah oui, mais oui, Jamie Vardy, il est là. Il est là, notre buteur, c'est lui. Et ça sera encore lui cette saison. Il est présent, même s'il a 30 piges. Ça passe. Allez. Ouais, très bon contrôle. Allez, Depay. Peut-être une bonne opportunité. Magnifique. Attention. Oh, et là, il n'y a pas de faute non plus. Vas-y, arrête un peu. Je veux bien, mais faut siffler de temps en temps quand même. Hein. Hors-jeu. Mais t'es hors-jeu, toi. Ouais, non. L'entraîneur qui ne l'a pas fait sortir, c'est dommage. Bah, il tente, mais bon, c'est que des frappes de loup. S'il avait été à 100%. Attention, le tir. Pas de problème pour le gardien. Je peux remercier mon gardien parce que là, j'avais fait une belle boulette. Là, je vous parle comme ça, je réfléchis pas. Je me dis, vas-y, je fais mon 6 mètres. Et au final. Oh non, pas comme ça. Relance. Mais qu'est-ce que tu fais, Vardy? Tu dors ou quoi? Non, ça prend le but. Avec un tir. Pouh, cette frappe pied gauche. Mais oui, Riyad, bien joué, frérot. Il y a l'appel sur le côté de Vardy qui me libère l'axe. Et derrière, je vois une fenêtre de tir. Je tente ma chance pied gauche. Et ça rentre. On fait le break 2-0. Oh là 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 là, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. En plus, c'est le pied gauche. Bah oui, sanction. Le pied gauche de Riyad Mahrez. 3-0, les escrocs. Vardy est tout seul devant. 3 minutes, ce sera allez, allez Vardy. Te foire pas. Coup de joystick. Allez. Oh merde, il reste le gardien quand même. Attention à la frappe. Oh la part. Victoire 3-0 les gars. On a déroulé, ça s'est très très bien passé. Ils ont pas été plus dangereux que ça. Après, ils avaient très bien pu marquer un but sur mon erreur quand j'ai fait mon 6 mètres. Mais sinon, on a bien géré. Donc, belle victoire, 3-0. Arsenal qui se fait éliminer par Everton. Chelsea qui élimine Liverpool. Nottingham Forest qui perd contre Crystal Palace. Et les Spurs qui éliminent Swansea au pénalty. Donc, bon, nous, on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le classement. Parce qu'il me semble qu'au niveau du classement, on a fait une petite remontée. Et regardez, on est 3ème après 9 journées. Bon, on a quand même 6 points de retard sur Liverpool, qui reste invaincu. Mais voilà, on n'est pas trop mal, on n'a que 2 points de retard sur les Spurs. Et sinon, globalement, moi je trouve qu'on fait plutôt un bon début de saison. Chelsea en fait, ils sont 8ème. Je pensais qu'ils étaient tout devant Chelsea, mais non. Chelsea 8ème, Manchester United 9ème. Troisième, c'est pas mal. Donc bon, on va arrêter là les escrocs. On va juste faire un petit rapport d'équipe. Vous inquiétez pas, il va forcément y avoir une vidéo assez longue. Pour l'instant, on continue sur le rythme de 3 matchs par vidéo. Mais il y aura une vidéo où je ferai 5-6 matchs. Donc vous inquiétez pas, ça va venir. Enfin, ça va revenir parce que je l'ai déjà fait. Semedo, ok, Morgan, Kipembe, Dalbert qui a pris un petit plus 1. Il a 81 de général maintenant. Très bon joueur. Très bon joueur, Drinkwater, ok. Amarté, plus 2.
Mendy, ok. Riyad Mahrez, 17 matchs, 7 buts et 4 passes décisives. Il s'est un peu réveillé, le petit Riyad Mahrez, parce que c'est vrai que j'étais un peu déçu de lui. Et puis, j'ai été vachement déçu de lui dans le match face au Barça, parce qu'il a rien apporté. Après, c'est vrai que Jordi Alba, sur le côté, il était très très chaud. Depay, 15 matchs, 6 buts et une passe décisive. Va falloir te réveiller aussi. Jamie Vardy, toujours présent, même s'il a 30 ans. 15 matchs, 10 buts, 3 passes décisives. David Villa, 78, il a pris un petit moins 1. 6 matchs, 3 buts et une passe D. Timothy Fosu-Mensah, 79, plus 2. 78 pour Malcolm Moussa. Agréable surprise du petit Moussa, qui nous a quand même bien sauvé dans le match face à Everton. Franchement, j'étais content puisqu'il les a mis un magnifique but. Son deuxième but était magnifique. Mais ouais, le petit Moussa, ça peut être un bon petit joker. Schloup, on s'en fiche. Zero, deuxième gardien. Hut, Courbet. Pardon. Le reste, c'est le centre de formation. Et puis Gray qui est là, doté d'un énorme potentiel. Va falloir. Décidément. Pardon, excusez-moi les escrocs. Oui, donc je disais, le petit Gray, va falloir un petit peu plus insister. Mais ouais, ça reste correct. Ça reste correct. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode des escrocs. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de la carrière manager. J'espère que le Paris Saint-Germain va passer face au Barça ce soir. En tout cas, on verra ça. Prenez soin de vos dates de famille, c'est vraiment le plus important. C'était Flo Nox, aux manettes.